الا في سبيل الاستقلال Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouveau numéro de Parole aux historiens, une émission qui donne la parole aux chercheurs, aux universitaires, pour évoquer différents aspects de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Alors, cette nouvelle émission va traiter de plusieurs sujets, mais qui ont un point commun, euh, celui de l'occultation de différentes dimensions de la guerre d'Algérie. Hein. Il s'agit de remettre en question un petit peu les récits univoques autour de ce conflit, euh, des récits qui essentialisent les acteurs et les enjeux, qui ont un regard normatif sur les événements, et donc qui ont tendance à éloigner des faits. Euh, D'abord, le travail d'historien hein, nécessite un travail épistémologique rare, euh, mais pour euh, travailler, il faut aussi avoir accès aux archives. Or, en France et en Algérie aussi, cet accès est parfois remis en cause, avec souvent des arrière-pensées politiques. Ensuite, nous savons qu'il existe de nombreuses zones d'ombre de la guerre d'Algérie qui sont aujourd'hui connues. D'autres le sont un petit peu moins, c'est pourquoi nous évoquerons aujourd'hui la guerre des grottes, qui avait remis au goût du jour les enfumades qu'avait connues l'Algérie en 1844-1845, mais cette fois modernisées avec l'usage d'armes chimiques. Euh, et enfin, euh, nous évoquerons un aspect aussi euh, qui permet de montrer que l'armée française n'a pas été un bloc monolithique, qu'il y a eu un certain nombre de désobéissances, euh, dont le nom le plus célèbre hein, reste celui du général Paris de Bollardière. Donc ce numéro hein, entend lever le voile à la fois sur la difficulté de traiter euh, ces faits sensibles et ces aspects souvent négligés, voire ignorés. Et nous le ferons avec euh, nos invités, Pierre Mansat. Qui est président de l'association Josette et Maurice Audin, qui a été créée en 2004 et qui a longtemps lutté pour la vérité et la reconnaissance des faits ayant conduit à l'assassinat de Maurice Audin à Alger, à la suite de son arrestation en 1957 par des officiers parachutistes en pleine bataille d'Alger, sous la supervision du général Massu. Cette association, elle œuvre également pour obtenir la vérité sur les disparitions forcées durant la guerre d'Algérie, pour l'ouverture des archives et pour la coopération scientifique entre la France et l'Algérie. Vous avez été par ailleurs syndicaliste et militant du PCF, élu à la mairie de Paris entre 1995 et 2014. Vous avez publié en avril 2022, avec l'historien Christophe Lafaille, dans Libération, une tribune intitulée ⁇ Lever les tabous sur l'utilisation de l'arme chimique pendant la guerre d'Algérie ⁇ sujet, sujet donc assez peu connu que nous évoquerons aujourd'hui. Nous avons en notre présence également Tramor Kemeneur, docteur en histoire, professeur d'histoire-géographie, chargé de cours à Paris 8 et à l'université Sergi Pontoise. Vous êtes membre du conseil d'orientation du musée de l'histoire de l'immigration. Vous travaillez notamment sur les réfractaires de la guerre d'Algérie hein, depuis votre thèse intitulée Une guerre sans nom, non-NON, euh, Insoumission, refus d'obéissance et désertion de soldats français pendant la guerre d'Algérie. Euh, vous avez publié de nombreux ouvrages sur la guerre d'Algérie, tels que Résister à la guerre d'Algérie aux éditions Les Petits Matins. « Mourir à sa quête, enquête sur un appelé durant la guerre d'Algérie » avec Véronique gazo -Godé, au PUF. Et vous avez participé à la coordination de l'ouvrage collectif « 8 novembre 1942, résistance et débarquement alliés en Afrique du Nord » aux éditions de Croquant. Également, on peut citer « La guerre d'Algérie en direct » aux éditions du CER Historia. Alors, pour commencer, nous allons aborder la question des, des archives et du travail d'historien sur la guerre d'Algérie puisque c'est un outil nécessaire pour réaliser ces recherches scientifiques. Alors, très, de façon très succincte, il y avait une loi en 2008 qui, pour les archives classifiées, fixait le délai à 50 ans et qui instaurait une déclassification automatique de ces archives. Cependant, une, une, l'IGI 1300, Instruction gouvernementale interministérielle, qui avait été soufflé par le SGDSN, le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale, euh, qui avait euh, instauré un contrôle a priori sur les documents à déclassifier, euh, une déclassification au cas par cas, document par document, et qui nécessitait l'accord des institutions concernées. Euh, cette IGI 1300 a été prise en 2011, euh, elle a été euh, reprise encore et complétée en 2021. Euh, il y a aussi une réforme du Code du patrimoine qui revient un petit peu en arrière et qui... Euh, euh, Offre à la suite du rapport Stora euh, une meilleure, un meilleur accès aux archives. Euh, mais cette situation, elle a pu aboutir à des cas un peu ubuesques. Hein. On a souvent cité le cas d'un officier de l'armée française, mandaté par l'armée pour réaliser une, une thèse justement sur cette guerre des, des grottes, et qui, pour avoir utilisé certains documents, a subi une perquisition de, de la DGSI et s'est vu confisquer ces euh, 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 travaux. Et donc, d'une façon un peu provocatrice, hein, j'ai envie de vous poser la question, euh, est-ce que les historiens sont des terroristes J'espère que non. <laughs> euh, mais euh, voilà, parfois le, le, le travail d'historien, effectivement, peut, peut gêner, bien sûr. Euh, j'ai d'ailleurs d'autres cas euh, d'amis qui se sont fait perquisitionner euh, en, en, en sciences politiques. Du fait de leur, de leur recherche aussi, et qui ont tout perdu d'ailleurs. Hein. Donc, euh, ça, c'est, on va dire, rare, mais, mais ça arrive. Euh, pour les historiens, on va dire, on travaille sur des choses qui sont normalement plus anciennes, mais comme vous le savez aussi, euh, les, les répercussions, enfin, euh, hier, on, on le voit aussi par rapport à nos yeux d'aujourd'hui. Et donc, les, les, les liens qu'il peut y avoir entre hier et aujourd'hui sont également très forts. Et évidemment, ça sert tout cela à, à tisser notre, notre société du futur aussi. Donc, il faut savoir parfois voir les choses, les, les, les points qui grincent, qui font mal, euh, aussi dans notre histoire, pour pouvoir mieux finalement euh, les, les résoudre, et pour pouvoir mieux se projeter vers le futur. Pour revenir un peu sur le, le, la manière concrète, euh, enfin, les, les archives, la question des archives est, est éminemment euh, en lien avec la question de la démocratie. D'ailleurs, le, le code du patrimoine euh, et la question des archives, en fait, euh, on, on le replonge jusqu'au moment de la, ré de la révolution. C'est une loi Thermidor euh, en deux en fait, qui, euh, qui règle la question des archives et qui dit en fait que euh, justement les citoyens ont accès, doivent avoir accès aux archives et c'est une nécessité pour mieux savoir en fait, de quoi il en retourne au niveau de la gestion publique. Plus on a un accès facile euh, aux archives, plus on est dans une forme de démocratie. Et donc ça c'est quelque chose qui est euh, quelque part un intangible. Euh, J'avais publié un article il y a quelque temps où, où il était question aussi d sorte, d de la société Orwellienne euh, de George Orwell. Dans 1984, en fait, le, le héros, son travail consiste à réécrire les archives par rapport à la politique du moment. Plus on a un, un accès clair aux archives, moins on peut euh, euh, revoir l'histoire de la nation et euh, l'histoire en général par rapport à, aux politiques du moment. Donc plus on, cette, cette Notion là est écartée, enfin claire, euh, mieux c'est, on va dire, pour la pour, pour la société. Et effectivement, alors pour revenir dans le détail, euh, la première loi sur les archives par rapport au, au comment dire au, au à, à la question de la défense nationale, c'était une loi de 1978. Et là, en fait, on avait un accès à 30 ans, normal, mais euh, évidemment pour tout ce qui était question de vie privée, de secrets. Euh, Enfin, euh, de, 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 de défense de, de, de l'État, euh, c'était euh, un, un porté à 60 ans. La loi 2008 a raccourci le temps, donc pour 50 ans, euh, pour ces, les, les deux notions que je viens de vous dire. Et euh, du coup, euh, le, le, le problème a été avec la l'IGI la, la, euh, 1300 ensuite et l'IGI 1300 a conduit en fait à euh, complètement engorger les services de l'État, notamment pour ces euh, ces questions de, de secret défense, et, mais pas, pas tout de suite en fait. C'est ça le paradoxe c'est que l'IGI 1300, comme vous l'avez dit, date de 2011 et c'est en fait à la fin des années 2010, autour de 2020, en fait que la question s'est posée et ça a même euh, posé problème euh, pour les, les documents datant de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs par les historiens de la Seconde Guerre mondiale que la question a été mise sur le tapis avant même la, la, avant même donc la, la question. De, de la guerre d'Algérie en tant que telle. Euh, heureusement, alors, de, de, depuis en fait le rapport Stora hein, en particulier, enfin il y avait eu avant même le rapport Stora des, des, des premières euh, tensions, ça avait été mis sur le tapis. Euh, le rapport Stora avait également posé la question euh, de euh, l'ouverture aussi des archives, c'était une des préconisations, et euh, cela a conduit après euh, pas mal de débats au cours de l'année 2021 aussi et pas mal de déclarations, notamment d'Emmanuel Macron. Finalement, en, en, le 22 décembre 2021, donc, il y a eu un arrêté euh, qui a permis en fait, d'ouvrir très largement euh, les archives judiciaires euh, et policières, même qui concernent aussi l'armée. Donc du coup, donc, du coup en fait, maintenant, on a une, une dérogation générale, si vous voulez, hein, une forme de dérogation générale, qui a ramené en fait, à, à, à un temps plus court et qui a permis d'ouvrir en fait, toutes les archives qui concernent ces enquêtes judiciaires. Euh, l'incarcération, euh, le renseignement, du coup, aussi pour les enquêtes, tous ces éléments-là, finalement, maintenant, sont accessibles euh, de ce point de vue-là. Donc on est euh, heureusement dans une situation qui est bien meilleure que celle d'auparavant. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais on va dire que ça a considérablement facilité le travail des historiens. Il va y avoir aussi une forme d'opportunisme politique euh, qui n'est pas seulement liée aux usages politiques de l'histoire, mais aussi à une volonté d'encadrer le travail des historiens par rapport notamment à ce qu'est la question de l'écriture du, du récit national, puisque 2011, c'était les 50 ans après euh, l'autodétermination de, de, de l'Algérie. Euh, et euh, donc ça, ça, ça impliquait à ce moment-là de déclassifier justement tout, euh, tous ces documents-là. Euh, de même, hein, la, la décision qui a été prise à la suite du rapport Stora en décembre 2021, euh, c'est aussi à un moment de... Froid diplomatique entre la France et l'Algérie. Euh, comment vous voyez un peu ces implications euh, politiques vis-à-vis -vis du, du, du travail de, de la science historique Déjà, je dirais que c'est posé déjà au niveau politique justement. C'est posé dans le débat public. Donc, c'est quelque part déjà un problème. Enfin, et, et, et la rigueur, tant mieux. C'est-à-dire qu'on euh, on est là en fait dans, un, dans une négociation et même des tensions. Enfin, je veux dire, c'est du débat. Mais euh, des choses se résolvent aussi. Euh, il peut y avoir des blocages à des moments, effectivement. Euh, C'est effectivement dépendant aussi euh, des bords politiques, par exemple, hein, des choses comme ça. Euh, même, même chose, il y avait eu pas mal de, de tensions au moment de, de l'affaire Osarese, au début des années 2000, 2000. Euh, donc en 2000 et 2001-2002. Et donc là aussi, euh, moi-même d'ailleurs, dans, dans ma recherche, J'étais en plein à ce moment-là, euh, au, au moment de l'affaire Ossares, en plein dans, dans, au, au départ, au début de, de, de ma recherche pour ma thèse. Et je, ma, ma thèse, je ne l'ai faite que sur des archives sur dérogation. C'est quasiment 100% des, des, des dossiers que j'ai consultés étaient sous dérogation. Donc, euh, et j'ai vu la différence, par exemple, entre le moment où il y avait le gouvernement Jospin, donc 97-2002. Euh, où là, en fait, euh, et en, même en, en plein cœur de, de, de l'affaire au donc, et, et là, euh, grâce aussi au, au directeur, euh, un général, hein, euh, mais au directeur des archives militaires de l'époque, euh, le général André Bach, euh, j'ai eu un très large accès, en fait, euh, aussi aux archives. Donc, euh, par contre, à partir de 2002, en fait, euh, là, ça a changé, et là, ça a été le blocage total, et j'ai eu beaucoup plus de mal à, à consulter des, des archives. Donc, vous voyez, il y a effectivement. Effectivement, il y a un, un impact sur la recherche et sur la, la manière de travailler par rapport aux au, euh, au, 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 au politiques, au gouvernement, des choses comme ça. Euh, les choses actuellement sont en, au fur et à mesure. Elles vont nécessairement, je dirais, devoir aussi s'ouvrir, puisque on a maintenant, ça fait 60 ans, euh, que le, le, évidemment la guerre d'Algérie est terminée, des choses comme ça. Donc on, on, on va, on va j'espère, vers quelque chose qui sera de plus en plus... Euh, facile d'accès euh, et euh, euh, donc euh, ça c'est un, un premier point mais euh, ça pose question encore aujourd'hui euh, mais aussi nous sommes dans une démocratie avec des choses qui se résolvent et il euh, faut voilà, garder raison aussi, est, on est dans un des systèmes qui est, où, où les, les, les archives sont les plus largement ouvertes dans, 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 dans le monde quoi donc il faut euh, aussi euh, voir ça en, avoir ça en tête et, 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 et essayer de faire en sorte que, que les archives soient ouvertes aussi euh, partout, on va dire. Voilà. Euh, dans le cas de, de l'affaire Maurice Odin, euh, on retombe un petit peu dans le fait du prince, puisque c'est sur des déclarations et une volonté du président de la République qu'un certain nombre de pas et de décisions ont été prises. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous raconter concrètement euh, cette bataille pour l'accès aux archives et euh, de menée par le, la famille Odin et euh, les associations qui l'ont soutenue ?– Oui bien sûr, peut-être une remarque un peu générale mmh. sur le, Parce que les... les... Les citoyens ne sont pas familiers du tout de cette question de l'accès aux archives. Ça prend tout de suite une tournure qui semble assez technique, assez complexe. Je me suis retrouvé moi-même euh, impliqué au nom de l'association dans un collectif qui s'était créé euh, à l'initiative de l'historienne de la guerre d'Algérie Raphaël Branche, un collectif Accès aux archives euh, publiques avec euh, l'association des historiens, l'association des archivistes français et, euh, et je me suis retrouvé. Comme président de l'association Odin, plongé dans ce, ce sujet, je dois dire que les difficultés pour moi étaient très grandes de compréhension de, 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 des mécanismes, de se familiariser avec des termes un peu techniques, avec les cartons, la déclassification, les tampons, le, etc. Euh, et de, de, de cette expérience, on est retenu que, euh, ce a retenu l'idée que, évidemment, à dit Tramor, c que l'accès aux archives, la collecte et l'entretien des archives et leur accès est un baromètre formidable pour juger l'état démocratique d'un pays. Quoi. Et donc euh, moi ce que j'ai senti quand même c'est que dans, dans, dans la fin de ces années là, de 2017, 2019, etc, sans doute sous la pression euh, des attentats, sous la pression terroriste, on a vu monter une forme de paranoïa un peu au sein des, des, des services de l'État, euh, alors que euh, depuis euh, des décennies, il n'y a jamais eu aucun scandale lié à des archives qui auraient été euh, ouvertes, utilisées. Enfin euh, euh, bref, le, 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 le nombre d'ouvrages d'historiens ou de témoignages utilisant des archives est considérable, il n'y a, a jamais eu euh, euh, aucun problème. Mais cette affaire d'instruction IGI 3, 1300, c'est une instruction interministérielle, donc c'est un texte réglementaire qui a prétendu ce, euh, euh, être en surplomb par rapport à la loi, ce qui dans notre pays est complètement, euh, ne peut pas exister, euh, constitutionnellement ce n'est pas possible. Et donc euh, ça a amené un combat, euh, une bataille publique avec des tribunes, etc. et un recours au Conseil d'État, où le Conseil d'État a décidé d'annuler purement et simplement, cette, euh, comme illégale, cette instruction interministérielle. Donc ça rejoint ce que disait Tramor, on est... Quelles que soient parfois les difficultés ou même les, les, les blocages, on est dans un pays démocratique où le combat euh, politique, public et juridique permet de euh, faire avancer les choses ou de ré rétablir les choses euh, euh, d'un point, euh, point de vue démocratique. Mais je veux insister là-dessus c'est que pour les, pour les citoyens, un droit, il faut se mêler de ce droit. Ça ne peut pas être réservé aux archivistes et aux historiens c'est un combat démocratique. On l'a vu avec le, le rapport du clair sur, le, sur le Rwanda et tout ça, il y a une exigence démocratique de la part des citoyens de savoir ce que le, le, leur pays, leur gouvernement, enfin les, les gouvernements qui agissent en leur nom ont fait. Et donc ça appelle euh, à un travail sur les archives, l'ouverture des archives, même là dans le rapport du clair, sans attendre les 50 ans, puisqu'il y avait une exigence démocratique. On veut, on veut savoir euh, quel a été le rôle de la, de la France dans ce, euh, dans ce génocide. Et, et puis, euh, euh, quelles que soient ces difficultés, le mouvement général est aussi plutôt un mouvement d'accès aux archives. Ce n'est pas, pas quelque chose de linéaire. Des fois, ça, ça se bloque sur un sujet. Il y a des cercles politiques, militaires ou autres qui n'ont pas envie que tel sujet soit abordé, donc qui font pression. Ce n'est donc pas un mouvement linéaire, mais... C'est un mouvement, dans le cas de la guerre d'Algérie, euh, il y a un, un, un mécanisme quand même d'ouverture euh, des archives avec des difficultés. Après, il faut que le service public des archives soit en état de, de répondre à la, à la demande. La dérogation générale, ben, ça entraîne énormément de boulot pour les, les archivistes. Ils n'ont pas forcément, ou on a un ah, cas 4. très singulier, les archives de la justice militaire euh, euh, sont entreposées dans une caserne de gendarmerie dans, dans l'Indre. Euh, à Leblanc. Or, euh, cette caserne est amiantée euh, et donc les archives sont amiantées, donc, ce qui rend impossible leur accès. Donc là, évidemment, il va falloir sans doute de gros moyens pour les, les désamianter ou les, les rendre dans, dans un endroit euh, euh, spécialisé dans l'entretien, le, dans, dans la colère, l'entretien des archives. Donc, euh, donc voilà ce qui s'est euh, passé. Mais en même temps, on sent bien que. Il y a des cercles qui, dans ce mouvement général, continuent de résister, puisque une fois que l'instruction interministérielle a été annulée par le Conseil d'État, le gouvernement avait prévu le coup. Enfin, certains cercles du gouvernement avaient prévu le coup, parce que euh, euh, oui, avaient prévu le coup, et ils ont introduit dans la loi prévention des actes de terrorisme et renseignement un article qui traite de l'accès aux archives dans certains domaines. Et donc, d'abord, c'est une grande curiosité que d'introduire un sujet euh, archives archive et histoire dans une loi contre le terrorisme. Et, l'article 25, et la ministre qui est théoriquement en charge des archives dans le pays, la ministre de la Culture, a été évincée du débat parlementaire. Elle n'a jamais participé au débat parlementaire. C'est Darmanin et Parly qui, euh, dans les différents Sénats et l'Assemblée nationale, ont répondu sur ce sujet. Et donc cet article 25 réintroduit, contre la loi de 2008, des dispositions de fermeture très importantes de certaines catégories d'archives, notamment les archives de, des services de renseignement. Donc ça, en les rendant peut-être même complètement incommunicables. Avec déjà la difficulté, c'est que ces services ont tendance à ne pas respecter la loi, qui fait que tous les services de l'État sont censés verser leurs archives aux archives nationales, aux archives de la défense, etc. Il faudrait vérifier quand même si des services comme la DGSE, DGSI versent réellement leurs archives. Ça serait un peu étonnant. Mais donc ça permettra peut-être même à ces, à, à ces services de jamais verser leurs archives. Donc, ce qui va poser un problème dans les années à venir quand on va vouloir faire l'histoire de la lutte contre le terrorisme. Euh, ou, ou autres, euh, ou des, des relations euh, internationales dans une, dans, un, dans une période extrêmement complexe, euh, je sais pas, Libye, Syrie, euh, euh, Afghanistan, euh, etc. Euh, euh, donc voilà, ce mouvement général avec des fermetures. Et par exemple, ce, ce, ce cas est quand même très problématique, puisque l'historienne Raphaël Branche, qui a fait sa thèse sur la torture en 2000, je crois, la torture par un garde algérien, qui est une spécialiste de la violence, euh, pendant la guerre d'Algérie, me disait que certains documents auxquels elle avait eu accès pour faire sa thèse, aujourd'hui, du fait de cet article 25, ne seraient sans doute plus accessibles. Donc il y a un côté aussi bureaucratique euh, étonnant. Dans, pour raconter ça pour les gens, ça parle. L'instruction interministérielle faisait que, par exemple, euh, dans les années 2019, là, des menus des repas du, du, du maréchal Pétain n'étaient plus accessibles, euh, ou alors un autre historien qui, tra qui travaille sur l'histoire militaire, la, la marine militaire, ne, on lui interdisait l'accès, par exemple, au, euh, aux, aux commandes de papier hygiénique sur euh, des vaisseaux militaires, parce que ça, la commande du papier hygiénique indique que le vaisseau va partir en mission, etc. Enfin bon, un côté, euh, je disais paranoïa, mais bureaucratie un peu, euh, dans certains domaines, un peu... Alors, pour ce qui est de, de Maurice Audin, euh, les présidents successifs euh, ont permis l'accès euh, de Josette Audin, la veuve de, de Maurice Audin, qui s'est battue pendant plus de 60 ans pour la vérité, à accéder aux archives. Les historiens, je pense notamment à Sylvie Thénault, euh, dès 2014 elle a publié un important article où elle a dit mais il y a une part d'illusion. Jamais un bourreau ne va écrire de faire un rapport sur euh, comment il a torturé, comment il a euh, exécuté ou assassiné ou comment euh, sa victime est morte de, 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 dans, dans, sous la torture. Ça, ça, ça n'existera pas. On peut trouver des éléments de... de, de des éléments factuels, et euh, donc c'est ce à quoi la famille Audin a eu accès. Et il y a un autre sujet qui serait, euh, qui serait vraiment intéressant c'est les archives euh, personnelles et les archives publiques privatisées, notamment par d'anciens militaires. Quand euh, euh, Emmanuel Macron va chez Josette Audin le 13 septembre 2018, il, il demande pardon, il. De, il, il, il reconnaît l'assassinat de Maurice Audin par l'armée. Il reconnaît que ça s'est fait dans le cadre d'un système généralisé d'enlèvement, de, euh, séquestration, euh, 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 exécution extrajudiciaire, torture, etc. Un système institutionnalisé. Ce n'était pas un cas, ce n'était pas le fait de quelques militaires dévoyés. C'était un, euh, euh, un système généralisé. Et il lance un appel et il dit aussi. Ouvrez, témoignez-vous, euh, n'ayez pas, pas de crainte. Euh, de toute façon, tout est couvert par les lois d'amnistie, la prescription, euh, pratiquement. Euh, et, et donc, mais il ne s'est rien passé. Alors que, par exemple, euh, la veuve du général Massu est en possession des archives de Massu et elle se refuse à les, euh, à les rendre publiques. Donc il y a là des archives personnelles, mais aussi des choses sans doute pas très euh, légales, où des officiers sont partis en emportant une partie de leurs archives militaires, ce à quoi ils n'auraient pas droit. Donc voilà, on est dans ce, dans ce, dans ce combat-là. Évidemment, je ne sais pas si on en parlera, mais on ne peut pas parler de la guerre d'Algérie sans parler des archives qui sont en Algérie. Et euh, il y a quelques mois, des historiens, des archivistes algériens ont publié une lettre ouverte en disant que ça n'allait vraiment pas à la fois sur le... L'entretien des archives et, et leur accès. Oui, tout à fait. C'est en mars 2021. Des historiens comme Mohamed El Corso, Daoud Gerbal, Amar Moandamer avaient effectivement fait une lettre ouverte au président de la République pour réclamer euh, une application ne serait-ce que du droit existant pour cette, cet accès euh, aux, aux archives. Alors une question subsidiaire, euh, tramor et Meneur, euh, Pierre Mansa a évoqué justement euh, d'un côté euh, l'enjeu démocratique. De, de cet accès aux archives et de, de, de connaissance de la vérité historique. Comment est-ce que, euh, en tant que chercheur, en tant que scientifique, l'historien l'articule avec son travail qui est essentiellement un travail aussi d'objectivation C'est le croisement. Le croisement, euh, plus il y a du croisement, mieux c'est en fait. Euh, c'est comme ça qu'on va, qu va avoir quelque chose le plus. un maillage, je dirais, le plus serré possible entre, d'une part, les archives, les témoignages, les archives privées. Euh, Tous ces éléments-là, en fait, euh, sont, permettent d'aller dans un sens enfin, le plus proche possible de la vérité, on va dire, qui est évidemment inatteignable. Et euh, donc, il faut avoir aussi, effectivement, je, je le redis un petit peu, il faut, faut raison garder par rapport à ce qu'on trouve dans les archives. Alors, parfois, on a des, euh, ça, ça confine un peu au fantasme où on aurait effectivement tout dedans. Non, il y, y a effectivement beaucoup de vide, beaucoup… Euh, et donc, euh, il y a des choses. On peut trouver de, de magnifiques perles parce que on peut, on pourrait imaginer très bien trouver effectivement des documents où la personne transcrit un peu le, euh, les, les, les tortures qu'elle peut faire subir, par exemple. Hein. Euh, je me souviens aussi, d'ailleurs, que le, le, le colonel Bijard, à l'époque général Bijard, euh, enregistrait, semble-t-il, c'est les, 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 les dire les interrogatoires qu'il faisait. Donc euh, peut-être qu'il y a encore des traces de tout cela, peut-être que ça a disparu, il y a des chances euh, depuis, mais c'était par exemple euh, voilà, dans, dans, dans l'ordre des possibles. Et, euh, mais voilà, tout, tout ça, effectivement, euh, euh, oui, il faut, faut on peut avoir beaucoup de fantasmes sur le, ce que l'on peut trouver euh, dans les archives. Par contre, une chose aussi, tout simplement, c'est qu'à la rigueur, enfin, le, le plus grand problème des archives à l'heure actuelle, c'est d'avoir des personnes pour les regarder. C'est-à-dire qu'on a de magnifiques centres d'archives. Hein. Alors, il y en a certains qui sont, sont vétustes, effectivement. Les archives euh, alors, du Blanc euh, au niveau militaire, euh, qui sont amiantées. Il y a eu le même problème avec les archives, mais avec de beaux, pourtant de beaux bâtiments pour les archives des, ar des affaires étrangères à Nantes, euh, qui ont été amiantées pour une partie d'entre elles, mais qui ont été traitées et qui sont à nouveau communicables. Donc, euh, bon, bref, euh, euh, il y a comme du boulot. On a, mais les centres des archives départementales, par exemple, je suis intervenu il n'y a pas très longtemps au centre des archives départementales de, de la Vienne, à Poitiers, et en fait, il y a de moins en moins d'étudiants à venir et de personnes à chercher. Et quelques personnes qui viennent faire des, des, des études généalogiques, mais, mais il a, en fait, ce qui manque, c'est des historiens. Donc, on peut... On peut voilà, ça, c'est un problème démocratique aussi. C'est-à-dire que finalement, on peut voir du côté de l'État, mais du côté des personnes qui veulent voir un peu ce qui a été le passé aussi et essayer de, de, de travailler là-dessus et euh, tout ça, il faut avoir des personnes qui le fassent quoi. Parce qu'à un moment donné, effectivement, s'il n'y a plus personne, voilà. Tout, le, le problème des étudiants aujourd'hui, euh, c'est que les étudiants ont le sentiment qu'ils vont tout trouver sur Internet. C'est pas le cas. Et les archives, elles ne sont et on, ce serait c'est un mirage de croire que les archives Vont être, être numérisés. C'est des, 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 des mètres, des kilomètres linéaires, euh, enfin des centaines, des milliers de kilomètres linéaires qu'il peut y avoir. Et, euh, et par, donc il faut se déplacer. Alors par contre, j'y suis allé moi. Euh, on on, on l'a fait ça régulièrement aussi avec les étudiants de, de Paris 8 en particulier. Donc chaque année, on allait faire un voyage de découverte des archives euh, à Aix en Provence, à Nantes, euh, et puis on l'a fait également en, en région parisienne. Euh, souvent, ce sont de belles découvertes. Effectivement, les, les, les citoyens, euh, les gens, sont assez euh, voient ça de manière assez assez lointaine. Les archives, c'est un service qui est gratuit. C'est gratuit. Il suffit juste de prendre une carte. On y va, on s'inscrit, on rentre. Carte d'identité euh, française ou étrangère, d'ailleurs. Hein. C'est même pas un problème. il y, 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 y a pas de souci là-dessus. Et au fur et à mesure, après, effectivement, il faut avoir. Il y a des méthodes pour un peu bien comprendre comment, comment le faire, c'est-à-dire ne serait-ce que de prendre en photographie, par exemple, les, les, les numéros des cartons pour savoir, pour les retrouver après. C'est très bête, mais c'est des erreurs de débutants que, que quasiment tout le monde fait. Et, et après, on peut consulter les archives on peut les consulter. Alors là, là ça va très vite aujourd'hui avec euh, la possibilité de prendre des photos justement des documents. Donc on peut prendre plein de photos de documents à partir du moment où ils sont pas sous dérogation. Mais euh, ça, ça va très très vite. On peut en prendre des, des centaines, des milliers comme ça en quelques, en, en quelques heures, en quelques jours. Après, par contre, c'est tout un travail de euh, retravailler sur ces documents-là pour essayer de voir quel est le contenu véritable euh, des, des textes, des archives, les croiser et puis pouvoir en tirer justement un, un, du coup un, un texte qui devienne euh, scientifique en tant que tel avoir effectivement le recul nécessaire et euh, essayer d'analyser le texte en tant que tel qu'est-ce qui se cache derrière les mots effectivement ce qu'on disait euh, que, ce que Pierre Mansa disait tout à l'heure à savoir que euh, euh, un, un tel va dire ne va pas dire j'ai torturé etc etc euh, ça peut être de dire euh, bah, au cours de son interrogatoire poussé par exemple vous hein, voyez des des, des, des périphrases comme ça, donc savoir décrypter des mots et ce que ça veut dire en fait, voilà. Donc et, et donc et le croisement parce que par exemple quelqu'un qui a été interrogé, à avoir aussi le témoignage de la personne, euh, les documents euh, qui ont été produits à cette occasion-là, tout ça, ça fait quelque chose. Euh, J'ai eu l'occasion de le travailler notamment par rapport à, à Henri Maillot et au Maquis Rouge, euh, donc. À, avec euh, justement des interrogatoires qui, qui, qui s'étaient déroulés dans cette dans cette dans cette mesure-là. Donc euh, bah, tout, tout ça est à est à voir et ça permet en fait de, de tendre à une forme de vérité. Ouais. Merci. Euh, alors. Justement pour, pour poursuivre là-dessus et introduire cet enjeu de, de la guerre des grottes qui repose en partie à partir de l'enquête qui avait été publiée dans la revue 21 en avril 2022 sur des témoignages directs notamment d'anciens militaires français. Euh, en guise d'introduction, Tramor Kemner, est-ce que vous pourriez un petit peu revenir sur ce est cette, sur ce qu'a été cette doctrine de la guerre contre-insurrectionnelle euh, Comment elle s'est développée Dans quel contexte euh, Est-ce qu'elle est née seulement avec la guerre d'Algérie Quelle méthode elle, elle impliquait Puisqu'il s'agit véritablement d'une doctrine qui a été théorisée et pratiquée par des officiers français. On connaît Roger Trinquier qui a écrit La Guerre Moderne, le colonel Paul-Alain Léger et l'opération Oiseau Bleu, ou un petit peu moins connu David Galula qui avait été ressuscité par le, le général Petrus au moment des guerres d'Irak et d'Afghanistan. On peut rappeler aussi que, avant l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, il y avait une projection de la bataille d'Alger en direction d'officiers américains. Voilà, vous, avez bien, vous avez bien résumé, effectivement. Ça correspond, euh, à la guerre contre-insurrectionnelle correspond, on va dire, à ce qu'on appelle les guerres asymétriques, euh, où on se retrouve dans, dans le, à, avec une armée étatique qui lutte contre euh, une guérilla, euh, guérilla qui est euh, dans la population. Et donc là euh, aussi, on retrouve beaucoup toute la, la théorie euh, de Mao, en fait. Hein, le euh, voilà voilà le, le, le poisson dans l'eau, et donc il faut... Euh, Enlever l'eau pour retrouver le poisson. Donc, euh, du coup, c'est la population qui devient l'enjeu essentiel et, euh, et la, la quête du renseignement. Et donc, ça, c'est beaucoup, en fait, euh, théorisé aussi à partir du, avec la défaite française en Indochine, en fait. Donc, c'est beaucoup la guerre d'Indochine qui fait ça et dans le cadre euh, aussi de la guerre froide. Donc, euh, tout ça, c'est très mélangé. Et, euh, et donc, euh, pour la guerre d'Indochine, les, les deux, là, sont vraiment très mélangés. Euh, et ça s'est exporté, on, on va dire, en quelque sorte, après avec l'Algérie. La, la, avec si la défaite. On en Algérie, voilà, on en les, les officiers qui ont servi en Algérie avaient servi au, auparavant en Indochine. Euh, ils ont subi euh, cette défaite euh, voilà, à Dien Bien Phu, euh, qu'ils ont évidemment extrêmement durement ressenti. Et donc, euh, pour eux, en fait, c'était euh, plus jamais de défaite, la victoire, quoi qu'il en coûte, euh, en, en Algérie, en essayant de reprendre un peu euh, les erreurs qu'ils avaient pu commettre. Et réutiliser contre les Algériens en fait les, les techniques qui avaient été euh, finalement un petit peu à leur dépens euh, au, au fur et à mesure, et en reprenant le, les théories de Mao justement en tant que telles Et euh, donc tout ça, ça se, ça se, ça se théorise à ce moment-là avec les personnes que vous avez citées, Galula, Trinquier, euh, Léger aussi, euh, pour, vraiment pour la, la bataille d'Alger et, et, et autres. Euh, et, et donc euh, on, on a cette mise en place euh, qui se fait à ce moment-là, c'est moins net, donc, du coup, en fait, pour le, la guerre d'Indochine. Ça l'est beaucoup plus euh, pour la guerre d'Algérie. Et euh, avec, en fait, une sorte d'énorme, euh, comment dire, euh, auto-intoxication euh, des services secrets et des, des militaires euh, qui s'est perpétrée, en fait, pendant la guerre d'Algérie. À savoir qu'ils ont été persuadés, en fait, euh, pendant longtemps, que euh, le FLN, euh, c'était les communistes. Et que c'était un peu pareil. Et même dans certains documents on retrouve d'ailleurs euh, des militaires qui appellent les Algériens les Viet, euh, ou alors qui font souvent on le retrouve aussi euh, l'erreur entre FNL et FLN, euh, voilà donc ça, ça se retrouve et ils sont persuadés en fait pour eux euh, la guerre d'Algérie c'est le communisme qui avance en fait hein. et on retrouve ça dans le cinquième bureau en particulier donc la, le, le bureau de la guerre psychologique beaucoup cela où on voit une Europe qui va être prise en, en, en comme comme happé en fait, hein, par, par, donc notamment par le Sud, par les communistes qui avancent un peu partout en fait et qui vont, bah, qui arrivent sur la France quoi. Et donc la France va être croquée toute toute crue par par les par les, les communistes, dont en fait les, le, le, le FLN serait une sorte de de paravent en quelque sorte un, un petit peu. Et donc, quel type de méthode ça, ça a impliqué Alors, on a pensé, il y a eu la politique de regroupement, euh, il y a eu le fait euh, d'assumer plus ou moins directement euh, la pratique de, de la torture, euh, il y a eu les faux maquis. Comment est-ce que euh, ça se mettait en œuvre, cette, euh, cette guerre contre-insurrectionnelle, cette doctrine spécifique Oui, alors c'est beaucoup effectivement euh, le renseignement, et donc avec le renseignement, la torture. Euh, le renseignement, ça passe par les services de renseignement habituels, hein, c'est-à-dire le, le, le deuxième bureau en fait. Mais ça passe aussi par des, euh, des services propres qui ont été mis en place euh, pendant la guerre d'Algérie, à savoir les, les CRA, les centres de recherche et d'action, et euh, peut-être plus, plus connus encore les DOP, le dispositif opérationnel de protection. Euh, tout ça qui euh, a, est conduit en fait à, à, à utiliser euh, de manière systématique la torture en fait hein, par des, 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 des officiers de renseignement euh, qui ont été euh, spécialisés là-dessus avec donc des, des des, des, des services euh, voilà, où, où, où la torture devenait un mode de fonctionnement euh, habituel quelque part euh, ce qui ne veut pas dire donc euh, du coup non plus que tous les soldats français évidemment ont torturé en Algérie d'ailleurs pas tous les officiers de renseignement non plus hein. mais euh, voilà bon ça euh, voilà petite parenthèse et euh, donc deuxième aspect extrêmement important euh, ça va être euh, donc de, bah, bon, vous avez les opérations spéciales aussi effectivement. Euh, et l'utilisation d'armes spécifiques sur lesquelles on va revenir, les grottes, par exemple, des choses comme ça. Mais moins en fait, euh, sur euh, cette, euh, cet aspect, si vous voulez, de guerre contre-insurrectionnelle, mais ça, ça, ça a un lien, évidemment. Mais euh, le deuxième aspect extrêmement important, effectivement, c'est ce que vous avez dit, c'est euh, par rapport au, au cinquième bureau, euh, la propagande, euh, la guerre psychologique, et le fait, en fait d'isoler la population. Euh, on isole la population, on les met dans des centres, de, dans des, centres des camps de regroupement, les, on crée les zones interdites, donc là c'est comme 2 millions de personnes euh, sur 8 qui ont été euh, déplacées. C'est absolument gigantesque, le quart de la population. Ça c'est peut-être, je crois, le phénomène le plus important et le plus massif euh, de, de, de la guerre d'Algérie. Je euh, suis sur lequel ça, ça comment dire, bah, Bourdieu l'a en partie parlé, hein, aussi avec Abdelmalek Sayad. C'est-à-dire que ça désorganise complètement la société, ça la bouleverse totalement. Toute la société rurale va être transformée, bouleversée. Avec ce phénomène-là, euh, donc ça c'est un premier un premier facteur et, et donc les personnes qui sont dans des camps de regroupement en fait on leur applique aussi euh, une ben, lavage euh, psychologique en quelque sorte donc euh, on leur applique la propagande euh, donc il y a une propagande donc vraiment à destination de la population qui est, qui est mise en place euh, propagande euh, donc avec euh, tout ce qui est pacification par exemple aussi ça va euh, aussi de pair un petit peu euh, donc à savoir euh, les soins, l'éducation, mais donc c'est ça le paradoxe quelque part, c'est que ces aspects-là sont des aspects qui sont vraiment positifs, on va dire, aussi pour la population en tant que telle, c'est-à-dire que ça va lui venir en aide, on forme les jeunes, on éduque, et donc pour la population en tant que telle, ça peut être un aspect qui est positif, on les soigne, on sauve des vies, enfin, il y a des enfants qui sont, qui, sont, qui sont sauvés grâce à ça, donc il y a un aspect. On va dire très positif par rapport à ça et en même temps évidemment ça sert une politique en tant que telle derrière donc il y, y a des aspects qui sont très mélangés par rapport à ça. De la même manière pour les soldats eux-mêmes ça a été quelque part un aspect très positif qu'ils ont voulu faire. Beaucoup d'appels du contingent ne voulaient pas combattre et donc préféraient soigner ou éduquer mais en même temps ils étaient pris dans un dispositif effectivement où, où bah, ils étaient euh, euh, ils servaient quelque part une partie de, de de, de, de la politique mise en œuvre par par la, par l'armée en Algérie donc ça c'est euh, voilà un petit peu des, 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 des éléments contradictoires et paradoxaux on va on va dire mais qui ont euh, qui ont qui, ont eu, qui ont eu un impact et en fin de compte voilà comme je disais auto-intoxication aussi c'est qu'à qu un moment donné en fait les euh, l'armée s'est euh, fait de la propagande aussi à elle-même elle a été tellement elle a fait tellement de propagande que finalement aussi elle s'est elle-même euh, euh, propagandisé, en quelque sorte, et ça a eu un impact, c'est-à-dire que tous les cours qui ont été mis en place par le cinquième bureau pendant les guerres d'Algérie ont, euh, ont, ont formé, en fait, des, euh, des, des officiers qui ont colporté, après et jusqu'à présent aussi, on pourrait dire aussi, une certaine manière de voir, en fait. Et c'est très compliqué, euh, aujourd'hui, même des historiens militaires hein, le, le, le disent, c'est très compliqué, aujourd'hui, finalement, de, bah, de remettre un petit peu la vérité là-dedans. Voilà, c'est voilà, on est dans ce phénomène-là. Euh, alors, Pierre Mansa, justement, hein, un certain nombre de, on va dire, zones d'ombre de la dernière guerre coloniale de, de la France sont connues. On a évoqué la torture, on peut penser aux lance-flammes, aux bidons spéciaux de, de Napalm, enfin, on pourrait faire toute une liste. Euh, un épisode qui est beaucoup moins connu, et justement, vous avez publié cette tribune dans Libération avec Christophe Lafaille, c'est ce qu'on a appelé justement cette « guerre des grottes », Hein, ce, ce retour des enfumades, euh, cette fois avec des, des armes chimiques. Euh, Est-ce que vous pourriez un petit peu détailler et revenir sur, sur cette guerre des grottes Oui, avec, euh, avec prudence, parce que je ne suis pas historien. Donc en fait, je ne, je ne fais que reproduire ce que Christophe Lafaille euh, explique. Christophe Lafaille est un historien euh, archiviste, euh, chercheur associé à l'université de Dijon, qui rencontre euh, un appelé, euh, de la guerre, euh, guerre d'Algérie, qui lui raconte son expérience dans ce qui s'appelle une section grotte. Euh, Christophe Lafaye a fait passer sa thèse sur euh, l'arme du génie dans la guerre d'Afghanistan, dans l'intervention d'Afghanistan, et donc euh, euh, il s'intéresse au sujet, et il met en évidence le fait que euh, à partir de 1956, je crois, 56-57, l'armée euh, met en place euh, une unité spéciale. Euh, chargé de la lutte justement dans ce qui est euh, très important pour l'ALN et le FLN, l'utilisation euh, dans les zones montagneuses de grottes, euh, de, parfois très importantes à la fois pour euh, entreposer des armes, euh, faire des hôpitaux, euh, servir de prison euh, ou, ou ça, simplement s'installer euh, des caches d'armes, etc. Et donc, euh, devant l'efficacité de cette... Euh, de cette nouvelle arme, euh, l'armée développe des, ce qu'ils appellent des sections grottes, c'est-à-dire des gens qui sont euh, des militaires, qui sont euh, équipés et formés pour diffuser dans les grottes euh, au départ des fumigènes pour faire sortir les, les, les combattants, etc. Mais après, qui se transforment et qui, euh, diff qui, qui, qui euh, comment dit, diffusent dans les grottes. Euh, 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 des gaz, et des gaz qui sont des gaz létaux euh, euh, qui tuent, euh, très, euh, parfois très virulents, qui tuent, et qui sont tellement virulents que justement des appelés qui sont là chargés de, de faire ce, ce travail-là, si on peut dire, sont eux-mêmes euh, intoxiqués et attaqués par, le, par ces gaz qui sont extrêmement puissants. Donc le, le, le recensement de tout ça est, est, est assez compliqué, mais et, euh, il y a, j'ai oublié le nombre exact, plusieurs dizaines de sections grottes qui sont créées. Et euh, Christophe Lafaille a des, des, des archives sur une seule de ces, de ces sections, mais qui euh, revendique 200 euh, tués euh, dans les grottes. Donc on peut imaginer que toutes ces sections grottes qui couvrent toute l'Algérie ont euh, commis énormément de, de, de... ont tué énormément de, de combattants de la dans ce, dans ce cadre-là. Euh, Très difficile d'identifier parce que euh, souvent l'armée, une fois que le, le gaz, euh, comme en plus on ne peut pas pénétrer dans la grotte après, il y a une dynamique l'entrée de façon à ce que ne puisse pas être, jamais être euh, réutilisé. Donc il y a sans doute en Algérie de nombreuses grottes dans lesquelles il y a les corps, les restes de, de, de combattants euh, qui n'ont jamais été euh, identifiés ou euh, retrouvés par leur, leurs proches et, et leurs familles. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est un, euh, un, un peu un sujet tabou euh, que cette, euh, cette, euh, cette action-là. Christophe Lafaille rencontre certaines difficultés, il est un peu sous surveillance euh, euh, après ces, ces révélations. Donc avec le, la Tribune en Libération, un article dans la revue 21. Euh, et là nous rentrons d'une délégation de l'association en Algérie. Dans laquelle Christophe Lafaille était présent et qui a euh, présenté à, à Alger, Oran et Constantine euh, des, des conférences sur ce, sur ce sujet, euh, provoquant, je dirais même, euh, euh, un éveil du côté algérien, puisque du côté algérien, le sujet était visiblement connu, mais n'était pas vraiment travaillé, si j'ai bien compris. Euh, donc là. Euh, des possibilités sans doute de coopération, puisque pour continuer à travailler sur ce sujet, il faut euh, croiser des données euh, euh, très nombreuses, les, 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 les rapports de, de l'armée euh, des, des, des régiments ou des bataillons, ou des compagnies de, de l'armée française, avec des cartes très très précises, pour arriver à identifier où peuvent être ces euh, ces grottes. Donc voilà un sujet intéressant qui visiblement intéresse. Les autorités algériennes, on verra euh, les conditions de coopération par la suite entre historiens algérien et euh, Christophe Lafaille, s'il n'a pas trop de bâton dans les roues du côté, euh, du côté français, parce que visiblement c'est un sujet qui, euh, euh, que beaucoup n'ont pas très envie de voir mettre à jour cette utilisation d'armes chimiques par l'armée française pendant la guerre d'indépendance de, de algérienne. Les années 20, elle était interdite par les protocoles de, de Genève, hein, l'utilisation du. Tout des, à des fait, mais protocoles signés par des puissances européennes, mm. euh, protocoles qui s'appliquent euh, au combat entre, entre ces puissances-là, qui ne s'appliquent pas à un peuple colonisé. Euh, dont la France, euh, voilà, donc, ça en dit beaucoup d'ailleurs sur la, la conception du, du colonisateur, sur, ce, euh, sur le, justement le, la population algérienne que l'on peut gazer euh, dans la logique euh, des enfumades, je dirais d'une certaine façon. C'est la, la, la trace des enfumades euh, euh, très nombreuses. Pour... D'ailleurs, de, de ce voyage en Algérie, je suis quand même été très étonné, c'est que euh, nous, sommes allés, euh, euh, nous sommes allés à une grotte, euh, l'enfumade 1845 par Pélicier, dans le Dara. Euh, il y avait parmi nous des, des jeunes gens qui nous accompagnaient, notamment des, des enseignants à l'école polytechnique euh, d'Oran, qui euh, ignoraient euh, les enfumades. Des, ense, des enseignants dans une école d'élite algérienne, qui ignoraient tout des enfumades. Deux jeunes femmes m'ont dit J'ai découvert de, hier seulement ces enfumades. Donc il y a, il y a aussi une question de. On peut parler de la France, des archives françaises, de, du tabou. En même temps, il faut bien se poser la question de, de l'histoire de façon générale, sans donner de leçons à qui que ce soit. Mais enfin, on peut, on peut quand même se poser quelques questions. Tout à fait, hein, oui, puisque cette, euh, cette, cette décision hein, elle est prise par la 4 e République, qui, entre euh, l'Indochine, le Cameroun, euh, Madagascar, etc., était été une République qui a vraiment défendu euh, violemment l'empire euh, colonial français. Hein. La décision a été prise notamment par euh, Maurice Bourges-Monori. Euh, en 1959, le général de Gaulle l'étend à tout le territoire. Est-ce que est-ce que vous connaissiez ce, cet enjeu de la guerre des grottes, vous Tramor Kemneuf? Non, non, non. Et ça, voilà, là c'est ouais. aussi un, un caractère qui est très intéressant, mm -hmm. je trouve, de la manière dont l'histoire peut commencer. C'est un témoignage en fait, et euh, à partir en fait d'un témoignage, de la micro-histoire, en fait, hein, comment est-ce qu'on peut en, en arriver au fur et à mesure à, à, à aller justement vers euh, une histoire qui, qui qui émerge on va dire tout un, un phénomène historique qui, qui émerge et qui finalement était inconnu et ça je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire justement en, encore là-dessus euh, comme je disais tout à l'heure malheureusement on manque d'étudiants on manque de profs aussi on manque de moyens mais euh, il y a il peut y avoir hein, je corrige un tout petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire il peut y avoir des des volontés en fait d'étudier là-dessus mais finalement euh, il y a des problèmes d'encadrement également et donc il faut aller euh, verra aussi plus davantage de possibilités euh, et mais voilà dans les archives même des archives qui sont consultables alors là c'est un, un cas encore un peu particulier parce que il y a encore des, des réticences et des blocages euh, mais j'espère que euh, christophe Lafaille pourra aller jusqu'au bout et au fur et à mesure euh, découvrir et consulter ces archives là euh, mais euh, donc euh, euh, même dans les, dans les des choses qui sont euh, consultables, il y a des choses qui sont encore euh, pas connues, peut, euh, sur lesquelles il faut travailler. en fait il faut creuser et au fur et à mesure, on parviendra à avoir une finesse de plus en plus grande de tout ce qui a pu se faire. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire sur les différents aspects. Hein. Euh, et justement, alors un des aspects sur lesquels vous avez travaillé, vous avez été le premier à travailler sur cette question-là, la question des désobéissances. Hein. Euh, nous avons déjà évoqué ici dans une émission précédente avec Nils Anderson les réseaux de soutien aux FLN et aux déserteurs hein, en France et euh, un peu partout euh, en, en Europe. Alors est-ce que vous pourriez revenir un peu plus précisément justement sur les formes qu'ont pu prendre ces désobéissances et euh, sur euh, qui en ont, en ont été les acteurs mm -hmm. euh, Alors comme je disais tout à l'heure aussi, euh, c'est que... Euh... Cette, enfin cette recherche, je l'ai menée effectivement grâce aux archives militaires, notamment, hein, euh, archives militaires et archives judiciaires aussi, euh, et avec des documents que j'ai pu consulter uniquement, quasiment uniquement sous dérogation. Donc finalement, quelque part aussi, euh, on, on, peut, on peut parvenir à, faire, à écrire certaines histoires. Euh, un autre jeune historien a, a fait une thèse où il a consulté les archives du Blanc, euh, aussi donc il l'a soutenu il y a quelques l'année dernière ou l'année d'avant il y a, quelques, ou il y a enfin, deux ou trois ans on va dire et, euh, et donc et, et lui a, a, a travaillé aussi sur la question des, des désobéissances euh, et des, des comment dire des indisciplines au sein de, de, de l'armée française euh, en Algérie donc tous ces éléments là euh, qui ont pu qui ont pu se faire alors pour pour revenir donc moi j'avais travaillé sur les, les parmi les catégories de désobéissances les plus euh, les Plus poussées, finalement, hein, et, euh, et celles qui, euh, qui, soit, euh, passent par la désertion, donc euh, le fait de, de quitter euh, l'armée, on va dire, en s'enfuyant, euh, voilà, pour euh, ou en voilà, de manière illégale, en tout cas, et, et donc avec euh, du coup euh, une peine de mort qui pouvait être euh, aussi appliquée, voilà, en tout cas, avec des personnes qui ont risqué la peine de mort. De déserteurs, il y en a eu euh, un peu moins, alors, euh, le, le problème, c'est que je n'ai pas forcément tous les chiffres. Euh, les, les chiffres que j'ai, en fait, ce sont les personnes qui ont déserté, dont les unités étaient en Algérie. Voilà. Donc, euh, alors, ça peut être éventuellement, alors, soit c'est d'Algérie même, donc par exemple Noël Favrelier, euh, Henri Maillot, pour les personnes plus connues, euh, et euh, ça peut éventuellement être aussi à l'occasion d'une permission. Donc, ils partent en France et en fait, ils ne reviennent pas. Euh, parce qu'en en fait, qui vivent là-bas, euh, évidemment, euh, leur déplaît ou ils se rendent compte, parfois ça peut être vraiment une sorte de déclic, c'est-à-dire qu'ils euh, participent à des choses là-bas euh, euh, qu'ils réprouvent, et finalement, quand ils arrivent en France, euh, ils, ils se rendent compte qu'ils ben, euh, ont été peut-être amenés à, à, à commettre des actes répréhensibles, on va dire, voire de la torture. Sur des personnes avec qui ils travaillent, en fait, euh, aussi dans leur usine, au quotidien, des choses comme ça. Et d'un coup, c'est une sorte de, de choc, et finalement, ils décident bah, de complètement de quitter tout à, à cette occasion-là. Enfin, bref, ces deux, ces deux catégories de personnes, si vous voulez, c'est à peu près 1000 personnes. Donc, euh, il faudrait rajouter les personnes qui désertent aussi avant d'aller en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des personnes qui. Euh, euh, se sont euh, acceptés le cadre militaire, faisaient leur service militaire, mais euh, ne voulaient pas participer à la guerre d'Algérie. Et donc, participer à tout ça, et au moment de leur départ en Algérie, en fait, boum, ils désertent à ce moment-là. Donc, euh, je pense qu'il y aurait ces personnes-là à rajouter en plus. Donc, on va dire, un, là, à peu près un millier de personnes, c'est évidemment peu, mais c'est un acte en même temps qui euh, bah, pouvait engager, euh, même justement, voilà, à les conduire jusqu'à... Euh, Jusqu'à risquer la peine de mort, il y en a eu quelques-unes. Aucune euh, peine de mort appliquée, mais plusieurs personnes ont été au moins condamnées à mort. Euh, Peut-être des personnes qui ont été exécutées sommairement, ça c'est possible, euh, notamment pour des, euh, des légionnaires ou des, des, des personnes comme ça. Donc, mais ça euh, c'est quelque chose qui pour l'instant, euh, voilà, euh, ce sont des hypothèses, euh, on va dire, que j'ai pu formuler euh, dans ma thèse, mais aucune marque, on va dire. Euh, aucune preuve euh, tangible de, 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 de cela. La deuxième catégorie, euh, on va considérer que ce sont les insoumis, par exemple. Euh, les insoumis, ce sont les personnes qui finalement, avant même leur service militaire, euh, décident de ne pas y aller en fait. En tout cas, le jour où ils doivent se présenter euh, sous les drapeaux, ne sont pas là. Donc c'est une sorte de refus en fait, a priori euh, plutôt que a posteriori comme pour la désertion. Donc euh, les personnes ne sont pas là. Donc après, là, là, là le, tout l'enjeu va être de savoir pourquoi ces personnes ont déserté. Certaines, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas reçu en fait, leur, leur ordre d'appel sous des drapeaux. Euh, ils ont déménagé, des choses comme ça. Mais certains, évidemment, ont déménagé volontairement. Et donc ça va être une sorte de course pour essayer de retrouver. Donc certains insoumis, on les retrouve plusieurs années plus tard, euh, à, par exemple, à l'occasion d'un banal contrôle routier ou n'importe quoi. En fait, euh, finalement, ils se font arrêter. Euh, donc certains insoumis vont euh, eux aussi euh, quitter carrément la france mmh. partir vivre euh, à l'étranger euh, mmh. en suisse il y en a, on a retrouvé euh, euh, aux, aux états unis au canada euh, mmh. en grande bretagne enfin un peu partout finalement mmh. euh, qui ont pu qui ont pu euh, avoir lieu et certaines personnes qui ont vécu même quasiment euh, de très nombreuses années voire toute leur vie euh, à l'étranger du coup hein. euh, voilà pour ce c'est ce, la catégorie la plus importante donc là, on a 11 000 personnes qui, ont, qui se sont insoumises. C'est important, euh, enfin relativement important. Euh, mais euh, dedans, il voilà, euh, y a peut-être des personnes qui, euh, pour lesquelles la guerre d'Algérie en tant que telle n'est pas forcément non plus euh, la raison primordiale. Euh, ça, va être, ça peut être pour, euh, on va dire, euh, sans raison particulière quelque part, hein, simplement un refus, euh, tout simplement, même des institutions euh, en tant que telles. Mmh. La, la troisième catégorie... Donc euh, là, ce sont les refus d'obéissance, dont euh, une des catégories, en fait, ça va être le refus de porter les armes ou de porter l'uniforme, c'est-à-dire les objecteurs de conscience. Là, j'en ai dénombré 420 objecteurs, euh, sachant qu'il peut peut-être y en avoir un peu plus, parce qu'il y a des personnes qui ont refusé de participer spécifiquement à la guerre d'Algérie. Et ils n'étaient au départ pas considérés comme des objecteurs de conscience. Les objecteurs de conscience étaient euh, simplement les personnes qui refusaient de porter les armes euh, voilà pas forcément pour le conflit algérien en tant que tel donc avec différents euh, groupes de personnes à l'intérieur dont en fait ce qu'on appelle les soldats du refus mm -hmm. euh, qui sont des soldats en fait communistes mm -hmm. euh, qui ont été appelés sous les drapeaux et mm -hmm. qui ont refusé de porter les armes à un moment donné contre le peuple algérien en particulier un des plus célèbres c'est voilà alban Lieschti, qui est le plus célèbre hein, mm -hmm. qui a fait lui quatre ans de prison deux fois deux ans euh, et plus en plus deux ans de service militaire euh, et donc, dans, au cours de sa dernière période, qu'il a accepté, euh, où il a accepté d'aller en Algérie, il a par contre refusé de mettre des balles dans son fusil, et il s'est retrouvé de ce fait-là, en, fait, en, en, en comment dire, en, en éclaireur, donc devant tout le monde. Donc, c'était euh, voilà, vraiment pour euh, pour essayer euh, de le tuer et pour essayer de, de le, de, en, en, enfin, en mesure de répression, ouais. quoi. Et donc au, au bout du compte, il a fait, euh, sur les quasiment 8 ans de guerre de, de la guerre d'Algérie, il a fait 6 ans en fait. Hein. Euh, donc c'est un, un des plus longs parcours, avec un parcours très difficile de ce point de vue-là, euh, en tant que tel. Mais voilà, euh, au-delà des objecteurs de conscience, et au-delà de ces soldats du refus, un petit peu de la guerre d'Algérie, si vous voulez, il y a aussi euh, des, un certain nombre de personnes qui ont commis euh, des actes euh, qui sont justement euh, des formes de refus d'obéissance en tant que tel. Et qui n'ont pas forcément été condamnés par la justice militaire, mais euh, ça a été des condamnations au sein du régiment, euh, des punitions, des choses comme ça. Et donc, tous ces éléments-là, euh, et même les objecteurs de conscience, par exemple, certains ont été dans le cadre militaire, mais n'ont pas été comptabilisés comme objecteurs de conscience. On, on leur a dit Ok, tu, veux, tu ne veux pas participer à la guerre d'Algérie, tu ne veux pas porter d'armes, d'accord, bah, tu, euh, euh, tu seras infirmier. Euh, d'un famille parachutiste, par exemple, hein. c'était euh, souvent euh, c'est ce qui était le, 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 le cas, mais ça pouvait être aussi au sein du régiment, par exemple, ne serait-ce que te, de tenir le, le messe des officiers, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a un certain nombre d'objecteurs en fait qui n'ont pas été comptabilisés non plus. Au bout du compte, ça fait allez 12-15 000 personnes peut-être mmh. euh, par rapport à 1,5 million d'appelés. C'est 1%, mmh. c'est très peu, euh, mais c'est plus que finalement ce que l'on a pensé pendant longtemps. Euh, où on pensait qu'il y avait eu simplement quelques dizaines, quelques centaines de personnes à refuser de participer à la guerre d'Algérie. Finalement, voilà. Et le, ma conclusion, c'est de dire finalement, euh, au bout du compte, euh, voilà, ce sont des refus qui engagent jusqu'à euh, une exécution en tant que telle, euh, qui engagent euh, aussi des parcours avec des années de prison, euh, ne serait-ce que ça, des poursuites, des, des situations extrêmement dures. Et donc, qui montre aussi que finalement, il y a des personnes qui étaient prêtes à, à, à tout cela, en fait. Et, euh, et, et le fait qu'ils soient plus nombreux que ce que l'on pensait montre qu'il y avait aussi un, un refus diffus, en fait, dans la société française euh, de participer à cette guerre-là. Et donc, euh, au bout du compte, on s'aperçoit que dès, d'ailleurs, 1956, euh, juillet 1956, on a déjà 49% des personnes, euh, des Français, qui sont contre le fait d'envoyer des, des, des appelés du contingent en Algérie, alors que ceux qui sont prêts à le faire sont 25%, donc c'est deux fois plus. Et donc on, on voit en fait une sorte de refus un peu, euh, refus de cette guerre, si vous voulez, hein, en considérant finalement qu'à la rigueur, si les Algériens veulent leur indépendance, euh, ton, voilà, il, il faut qu'ils l'aient, ils la demandent, qu'ils l'aient. Ce n'est pas tellement le problème des Français quelque part. Et donc... Euh, voilà, euh, c'est pas qu'ils sont, euh, euh, enfin, qu sont anti, ou qu'ils sont anti-colonialistes en tant que tels ou qu'ils sont anti, mais finalement, euh, voilà, c'est un problème qu'ils considèrent euh, finalement d'assez loin, et, euh, et en tout cas, ils sont euh, euh, plutôt partisans du fait de donner l'indépendance et contre le fait d'y participer à cette guerre-là. Est-ce que l'on sait comment euh, ces désobéissants, ces désobéissances et réfractaires euh, sont perçus par la société ou traités dans la presse Je ne sais pas si c'est déjà évoqué à l'époque, dans la presse, c'est fait là Ah oui, si, oui. si bien sûr. Évidemment, euh, les, les condamnations sont très fortes. Hein. Est on, on est dans un système aussi euh, d'un service militaire euh, intégré. Les grands-pères ont fait la Première Guerre mondiale les pères ont fait la Seconde Guerre mondiale. Euh, maintenant, les, on va dire les petits-fils ou les fils euh, sont appelés à participer à la guerre d'Algérie. Est le, le rite du service militaire, surtout qu'on dit en fait du côté français, euh, ce ne sont que des opérations de maintien de l'ordre. Euh, donc, euh, on va faire son service en fait. On va faire son service militaire, et donc euh, du coup, les personnes qui refusent cela, on va aussi, euh, c'est très lié à la virilité. Donc, on va considérer euh, finalement s'ils ne veulent pas le faire, ils ne sont pas virils. Euh, voilà, le, apprendre le métier des armes, c'était quelque chose qui était, qui, un qui était voilà, un passage, un rite de passage en tant que tel, effectivement. Et donc du coup, euh, euh, ils sont condamnés et ils sont condamnés un peu comme étant même des traîtres en tant que tels. Euh, parfois, c'est euh, des mots extrêmement durs. Mais pas, pas que. Il n'y a pas que ça non plus. Parfois, on trouve euh, au sein du Parti communiste, euh, euh, par exemple, dans les cellules des personnes qui sont euh, qui soutiennent les autres, ils sont euh, plutôt contre aussi. Au, au départ, le Parti communiste parle également de sale guerre d'Algérie, la nouvelle sale guerre, par exemple. Hein. Donc, il y a aussi ce, ce, ce discours-là qui peut transparaître. Euh, et au moment, de, par exemple, des manifestations de rappelés aussi en 1956, dans tous les petits villages de France, euh, enfin pas tous, mais euh, un peu partout, on va dire, on a euh, des personnes qui retiennent euh, les, les, les rappelés qui doivent partir en Algérie. Ils les retiennent pendant 24, 48 heures. Et donc, ça, ça, tout ça, ça montre un peu une sorte de refus, euh, voyez, euh, un, une sorte de refus préventif, un petit ah, peu, oui. d'aller dans ce conflit-là. Les appelés eux-mêmes bloquent les trains, notamment. C'est arrivé un certain nombre de fois. Ah oui, et de manière extrêmement euh, violente et oui. virulente. Hein. On a des mutineries euh, qui, qui se déroulent en plusieurs points, mmh. des, des actes qui sont connus. Euh, mmh. quand la mutinerie de mormelon, par exemple, mmh. hein, vous parliez du général de Bollardière tout mmh. à l'heure. Euh, ça a été euh, l'officier... Euh, Barbero, mmh. euh, qui a été euh, le colonel barbereau qui, qui était sous les ordres du général de Bollardière, euh, qui, euh, qui a pris en charge le camp de Mourbelon, mmh. dans lequel il y a eu une mutinerie en tant que telle. Et donc, il l'a relaté d'ailleurs. Hein. Donc le, le colonel barbereau en, en a fait part, mais parfois en fait, euh, c'est resté complètement dans l'enceinte militaire. Ça n'a pas été, du tout été connu. Ou à Rouen aussi, ouais. il y a une, une très importante mutinerie qui s'est déroulée dans tout le quartier du Petit quevilly aussi, ouais. avec la population civile qui se mêle à tout ça. Ouais. Donc, ça montre, on va dire, des, des échanges, on va dire, et, euh, une, une action de la population française aussi qui, qui était présente. Et avec une très forte répression. Oui. Et alors justement Pierre Mansa, hein, le positionnement du, du Parti communiste français sur cette question de l'Algérie euh, a été souvent critiqué ou au minimum euh, mal comprise. Hein. Alors c'est pourtant hein, sous l'égide du parti et des syndicats que euh, un certain nombre de militants nationalistes vont se socialiser euh, à l'action politique. Hein. On pense bien sûr à Messali Hadj, à un personnage moins connu comme Abdelkader euh, Hadjali hein, dans le cadre de la Commission coloniale. Euh, dès le début des années 20, qui euh, ont mission coloniale qui sera euh, dirigée en 1926-27 par le jeune Jacques Doriot, par exemple, euh, avant son, son revirement, on va dire. Euh, un autre. Une autre étape assez connue, et justement celle qu'on retient beaucoup, c'est le discours du 11 février 1939 à Alger de Maurice Torres, euh, où d'un côté il reconnaît la légitimité de la revendication à une égalité des droits des peuples colonisés en particulier, et des, des Algériens, euh, euh, enfin des peuples colonisés en général, des Algériens en particulier, euh, mais il refuse aussi bien sûr la lutte armée, et c'est là qu'il formule la célèbre thèse de la nation en formation, hein, qui remet l'indépendance à, à plus tard. Et en même temps, il souhaite garder des liens avec la métropole. Et ce discours de 1939, il préfigure ce que le projet qui sera, qui sera un échec de l'Union française puis de la communauté de la communauté française. Alors ce qu'on rappelle un peu moins, c'est le fait qu'en février 1956, Jacques Duclos reconnaît le fait national algérien. Donc il rompt avec cette thèse un peu de la nation en formation. Et pourtant, il va convaincre les parlementaires communistes de voter, de voter dans, les, dans les mois qui suivent les pouvoirs spéciaux. Euh, une dernière étape qu'on peut qu'on peut évoquer aussi, euh, c'est des contacts qui, qui n'aboutiront pas hein, entre Laurent Casanova, Valdecrochet et le FLN dans la période mai-juin 58. Euh, au moment où justement on se demande est-ce que le général de Gaulle ne va pas instaurer euh, un régime autoritaire et le Parti communiste euh, cherche un peu à se positionner. Euh, donc ça, ça n'aboutira pas. Euh, et donc alors comment est-ce que vous pourriez expliquer ce positionnement du PCF hein, qui pourtant est un peu l'héritier du Congrès de Bakou de, de 1920 euh, Quelles considérations politiques ont pu aussi le, le conduire à, à opter pour, pour cette, cette position-là euh, Sans oublier le fait que ne serait-ce qu'à titre individuel, des, des militants, des parlementaires vont s'engager. Parfois très activement dans, dans le soutien à l'indépendance algérienne. Je ne suis pas un expert de, de l'histoire du Parti communiste. Je, je crois qu'il euh, il, il faut, pour penser ça, euh, beaucoup de nuances. C'est-à-dire qu'il y a souvent, bon, bah, les à la vote des pouvoirs spéciaux, c'est évidemment une erreur euh, stratégique majeure du Parti communiste. Mais euh, ce que racontait aussi Tramor, euh, c'est beaucoup plus nuancé. On trouve beaucoup d'éléments. D'abord, de, 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 la tradition communiste de résistance euh, euh, au colonialisme, le, la guerre du Rif, le, la, la guerre d'Indochine, le soutien aux indépendances euh, africaines. Donc, euh, euh, il faut beaucoup nuancer tout ça et avoir une approche vraiment euh, là, justement, d'historien et de savoir peser les, ce que fait très bien Alain, Alain Ruscio dans son livre Les communistes et l'Algérie, qui vient d'être publié d'ailleurs euh, en Algérie, ce qui est, euh, euh, ce qui est vraiment intéressant. Euh, pour ma part, d'ailleurs, euh, euh, je me suis euh, éveillé peut-être un peu à cette histoire en fréquentant dans le Parti communiste à Paris euh, des soldats du refus. Euh, Claude Voisin, qui est décédé, euh, René Boyer ou Jean Vandard, qui est encore euh, dans le 20e, là, qui est un adhérent de l'association euh, Josette et Maurice Audin. Donc, euh, euh, il y a tout ça. Vous avez, vous avez décrit rapidement un petit peu. Donc, euh, euh, il ne faut pas oublier non plus qu'on est euh, au cœur de la guerre froide et que pour le PC français, euh, c'est une situation euh, où il a, je pense, le sentiment, c'est le « Duclos va en prison », le, le complot des pigeons, etc. Ce sont des périodes où le PC français euh, euh, se dit que peut-être euh, l'interdiction lui euh, lui prend en est, l'interdiction. Donc, donc il est dans une, je pense que là, dans les qui explique les erreurs à mon avis un peu une partie des erreurs stratégiques ou de la, ou de la, de la prudence euh, etc et en même temps les, les militants communistes ne sont pas pour rien lorsque euh, tramor venait d'expliquer les les, 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 les les obstacles au départ des rappelés etc donc euh, donc voilà c'est euh, la sale guerre euh, euh, donc voilà cette histoire euh, euh, quand même une histoire politique complexe dans un parti euh, dans un parti euh, très stalinisé, c'est euh, aussi ça le, le sujet, donc qui, euh, qui, qui est dans un lien avec, euh, avec Moscou euh, extrêmement, extrêmement fort, donc qui peut expliquer aussi euh, certaines prises de position, c'est euh, très clair. Il, faut, euh, il va falloir attendre longtemps pour que le PC euh, reconnaisse l'existence du, du rapport Khrouchtchev euh, euh, au 20e congrès du PCUS, je ne sais plus la date, mais il faut attendre... Des, le, oui, mais la, la reconnaissance par le PC, c'est les années 80. Est, euh, ouais. est ce qui est, voilà, c'est euh, la reconnaissance du fait que Maurice Thorez avait eu entre les mains euh, le rapport co-chef. Ouais. Donc voilà, cette histoire du PC, c'est une histoire. Euh, c'est euh, là qu'il faut prendre. Le, pour penser le PC et son rapport avec la guerre d'Algérie ou l'indépendance algérienne, je pense qu'il faut arriver à tenir un peu tous les bouts de cette. Euh, toutes ces dimensions de, 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 de l'existence du PC et de, et de son rôle à ce moment-là. Euh, Tramor Kemner, vous avez travaillé notamment euh, aussi sur, donc, sur ces soldats du, euh, du refus. Euh, Quelle a été à leur égard l'attitude du parti et comment vous analysez ces, ces positionnements un peu complexes hein, dans les enjeux politiques du moment, les rapports avec la SFI de Guy Mollet, par exemple euh, de, euh, du Parti communiste français sur la question algérienne Mais ce qu'il faut avoir aussi, c'est... Euh, alors, effectivement, euh, je, je reprends complètement, hein, mmh. c est, c est très, on a l'habitude de voir le Parti communiste un peu comme un bloc homogène, ce n'est pas du tout le cas. Hein, alors, il y a d'un côté, effectivement, c'est un, une, une organisation stalinienne, donc, euh, effectivement, assez ri, enfin, rigide, très rigide, et d'un autre côté, en fait, il y a effectivement beaucoup d'éléments beaucoup euh, où, où les, les personnes peuvent, ont une forme aussi de... de de, de, comment dire, d'agency, euh, en fait, quand on appelle ça <laughs> en, en sciences politiques, d'autonomie, voilà. Ouais. Ils ont une, une marge d'autonomie, effectivement, une marge de manœuvre avec laquelle ils peuvent, peuvent jouer. Alors, du coup, ça conduit, effectivement, à ce que dans certaines cellules, c'est un blocage complet, complet en fait, hein, et les personnes se retrouvent vite condamnées dès qu'elles font quelque chose. Et au contraire, dans d'autres cellules, il y a, y a un soutien qui va être important, des choses comme ça. Donc, alors, pour reprendre votre question, pardon, euh, c'était par rapport à... Euh, vous, vous disiez... Du parce que parti par rapport au soldat du refus d'un côté Oui, alors justement, <laughs> alors du coup, effectivement, euh, euh, par rapport au soldat du refus, voilà, enfin, la matrice un peu aussi du Parti communiste, c'est de ne pas se couper des masses. Et donc c'est ça, c'est tout le temps le, à la fois l'aide-motive le, 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 en fait qui va revenir beaucoup. Donc prendre des initiatives euh, qui sont des initiatives individuelles, euh, ça peut être considéré comme étant une aventuriste. Donc ça va être condamné parce que euh, c'est se ce couper des masses. Euh, par contre, quand il commence à voir euh, ça, ça va être le cas notamment d'Alban Ljeshi. Par exemple, hein. Alban Ljeshi au départ, quand il commet son refus, il va essayer de trouver du soutien, mais il va se trouver très isolé au bout du compte, et donc il va, euh, il va comme y aller, on va dire, mais il va trouver absolument aucun soutien des, de la part des instances centrales du parti. Et donc euh, là, ça va être très compliqué pour lui. Par contre, quand le parti va commencer à voir qu'Alban Ljeshi est soutenu, qu'il trouve du soutien et qu'il y a d'autres appelés qui veulent faire comme lui, là, en fait, il va décider de lancer une campagne. Et donc, euh, il va essayer de mettre les moyens. Alors, il va, prendre des, il va faire très attention aussi, parce qu'effectivement, il a peur euh, de la répression, il a peur de l'interdiction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi à ce moment-là. Effectivement, on est en pleine guerre froide, hein, comme l'a dit Pierre Mansa, donc c'est très compliqué pour lui aussi. Donc, ça va passer notamment par le secours populaire. Euh, qui va soutenir en fait les soldats du refus, mais il y a une, une campagne importante qui va être mise en place. Et euh, au bout du compte, euh, après euh, mai 58, donc là il y a un tournant aussi, euh, mai 58, septembre 58, euh, et après en fait, euh, donc là il y a un, le, le parti communiste aussi euh, craint beaucoup pour ses soldats, pour les, pour les soldats du refus, pour ceux qui sont en prison, euh, craint pour son action, et après, en fait, il va décider euh, de, de... Il voit, enfin, il considère que cette campagne-là, en fait, ne marche pas. Il euh, euh, y a pas mal de réticences euh, dans les usines. Euh, Ce n'est pas compris par, la, par les, les ouvriers. Euh, Ou, en fait, un frère, un fils euh, sont en Algérie et combattent et vont, vont considérer, en fait, que les, les soldats du refus sont des personnes qui refusent, finalement, euh, de... de enfin, le, le soutien ne sont pas avec les autres, voire carrément des traîtres, quoi. Et donc, tout cela, en fait, va conduire à ce qu'ils euh, décident d'arrêter la campagne. C'est en particulier le cas à partir de mai 59, euh, donc déclaration de Maurice Thorez au congrès fédéral de euh, d'Île-de-France, je crois. Euh, voilà, en tout cas, c'est sur une, une, une instance euh, en Île-de-France. Et donc là, en fait, on n'a on a plus de soutien après. Euh, on a le soutien de ceux qui ont déjà refusé, euh, mais on, 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 les soldats du refus, c'est terminé pour eux. Euh, et donc euh, du coup, euh, c'est pour ça qu'après leur période en fait sous les drapeaux, ils vont devoir retourner, enfin euh, le, leur, leur période pardon, en prison, ils vont devoir retourner faire leur service militaire après. Donc pour, pour certains d'entre eux, ça va être, euh, ils vont ressentir ça aussi comme étant une trahison. Hein, voilà, on, on, on refuse en fait, on leur refuse ça. Donc ça a été très, très durement ressenti. Euh, voilà, donc ça c'est un, un petit peu euh, l'attitude. Euh, même chose aussi, euh, en même temps, il y a eu des actions qui ont été faites clandestines, notamment à destination des appelés du contingent, euh, qui ont été très loin en fait, hein, avec euh, des faux certificats, euh, avec des, donc même quasiment des faux papiers, avec toute une presse clandestine à destination aussi des, des appelés du contingent, qui est importante finalement. Donc, il y a une action aussi euh, de masse, on pourrait dire, hein, pour reprendre les, les termes de l'époque, euh, du Parti communiste euh, aussi contre la guerre d'Algérie de ce point de vue-là son rapport euh, euh, au, au FLN par exemple là voilà là, là par contre effectivement ouais. c'est de la défiance hein. et Laurent Casanova avait, avec des Groschet comme vous l'avez souligné tout à l'heure avait euh, effectivement pensé à un moment donné à se rapprocher des porteurs de valises en particulier voilà. ça, ça, et, ça. Donc, euh, et donc et donc voilà c'était par euh, Laurent Casanova avec des, re, des, des représentations avec Francis Janson. Voilà. Il de, il demande à rencontrer Omar Boudaoud ouais. qui est à ce moment-là en Allemagne, mais, mais. la rencontre n'aboutit pas. Non, tout à fait. Ouais. Et ça n'aboutit pas, et donc euh, et au bout du compte, ça conduira Laurent Casanova à se faire éjecter, on va dire, de, ouais. aussi de, du, du Parti communiste. Donc euh, il se fait mettre vraiment sur le. Et comment vous expliquez touche, hein. cette, cette méfiance ah, ça, la, la méfiance, c'est euh, effectivement, c'est ben, une double méfiance. C'est à la fois euh, euh, il y a une méfiance on va dire euh, déjà entre le, le FLN et le PCF il euh, y a un anticommunisme aussi hein, dans, le, dans, dans le FLN donc euh, donc ça c'est ça joue aussi ouais, beaucoup donc euh, le FLN est très réticent au PCF euh, le PCF on pourrait dire est réticent vis-à-vis -vis du FLN aussi notamment parce que euh, on est dans une logique qui est nationale et nationaliste aussi hein. on a un communisme national en tant que tel c'est aussi euh, le parti euh, de la résistance, mmh. euh, le parti des 70 000 fusillés, mmh. euh, comme on le dit à ce moment-là. Et donc, il y a, y a une, une idée nationaliste très forte qui est véhiculée dans le, le, le parti communiste. Et donc, le FLN, euh, de ce point de vue-là, et l'aide au FLN ne peut être considérée que comme étant finalement une forme de trahison par rapport à la nation française. Donc, on a, euh, voilà, et cette idée-là, finalement, et, et je, du coup, je vais conclure en généralisant un petit peu, c'est un débat qui traverse évidemment et qui, euh, qui divise le Parti communiste de l'intérieur. C'est à partir d'ailleurs de la guerre d'Algérie où on commence à avoir, euh, si je ne me trompe, une, une opposition interne au Parti communiste euh, avec la voix communiste par exemple, mm -hmm. euh, l'étincelle euh, qui se met en place. Et donc là, il y a des divisions internes au Parti communiste qui se mettent en place. Mais c'est valable pour le Parti communiste comme c'est valable pour les autres partis aussi. Mm -hmm. J'ai l'habitude de dire en fait que le, 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 la guerre d'Algérie est une immense lessiveuse politique. C'est-à-dire tous les partis politiques ont été complètement laminés par cette, par cette guerre. Le parti communiste, été, euh, le parti socialiste a aussi a été divisé, mm -hmm. les trotskistes ont été divisés, mm -hmm. les anarchistes ont édivisé, a été divisés, voilà, pour la gauche, euh, pour la droite, les gaullistes et les anti-gaullistes, et on pourrait même dire l'extrême droite a aussi été divisée, en fait, entre, euh, quelque part, en, une extrême droite qui même, pourrait même être partisane de, euh, de l'indépendance. Pourquoi Parce qu'on a l'Europe chrétienne euh, contre l'Algérie, Musulmane, mmh. et, et au contraire, une extrême droite qui est favorable à l'Algérie française et pour la défense de l'Algérie française, coûte que coûte, jusqu'à l'organisation armée secrète. Mmh. Donc, euh, vous voyez, tous les partis, en fait, tous les courants politiques ont été complètement divisés par, par cette guerre. Euh, alors, effectivement, vous, a, vous avez évoqué effectivement le cas des, des trotskistes. Hein. Euh, justement, on a deux courants euh, qui se revendiquent euh, de l'anticolonialisme, qui sont bien sûr en rupture de banc euh, avec le, le PCF. Euh, mais on a d'un côté euh, les, les courants euh, qui suivent Pierre Boussel, qui sont majoritaires à l'époque, euh, Lambert, euh, qui vont soutenir Messalliage et le MNA. Et de l'autre côté, hein, les partisans de Michel Raptis et Pierre Franck, hein, Michel Raptis, Pablo, euh, donc, euh, qui vont euh, dès novembre 54 s'engager notamment dans, en aidant à, à fournir des armes, etc. depuis, depuis l'étranger, en soutien direct au, au FLN. Et donc ça va entraîner, entraîner la scission du, du Parti communiste internationaliste et des décisions aussi de la quatrième internationale. Comment est-ce qu'on peut interpréter justement deux courants qui se revendiquent de l'anticolonialisme, mais qui se retrouvent comme ça divisés sur cette, cette question algérienne non. Et voilà, c'est ce que je disais, ouais. hein, euh, entre le, 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 le MNA et le FLN, entre ouais. donc, les, les Lambertistes et les, les Pablistes, euh, on a euh, des divisions que, euh, enfin, complètes qui, qui, qui se font. Alors la, la, la division, cette division-là, elle se fait sur des, des aspects qui sont euh, à la fois internes, on pourrait dire, hein, euh, aussi euh, dans, le cours Trotsky, dans les courants trotskistes et divisions internes, euh, entre les quatrième internationales, on pourrait dire. Et, et, puis, et puis effectivement le, la réponse à apporter à certains événements. Et donc euh, en fait il y a d'une part une longue tradition effectivement de, de côtoiement de messaliage, et donc avec des personnes qui se sont euh, soutenues les unes les autres, qui ont manifesté ensemble, euh, qui ont lutté en faveur de la libération de messaliage, euh, voilà, notamment au cours des années 50, mais même, même avant en fait. Et donc du coup il euh, y a une forme d'héritage un petit peu de toute cette histoire-là dans le courant lambertiste qui, qui, qui va faire qu'ils bah, vont continuer à soutenir Messaliage euh, et au-delà des divisions internes mais ils vont se retrouver vraiment en minorité à partir de, de début 56 voilà on va le retrouver ça et sa division là on la retrouve également chez les intellectuels donc avec une toute petite minorité Edgar Morin par exemple hein, euh, Daniel Guérin euh, aussi qui vont soutenir en fait continuer à soutenir le MNA euh, et finalement avoir une certaine distance par, par rapport au FLN euh, et au contraire, en fait, donc le courant pabliste, lui, qui, euh, qui va considérer que euh, bah, Messali est dépassé, euh, et donc euh, que l'avenir, en fait, c'est le FLN, et donc qu'il faut au contraire euh, mettre tout en œuvre pour aider, en fait, le euh, le, le FLN. Et donc, le, effectivement, le courant pabliste va, va aider tout au long de, euh, de, de, de la guerre, notamment en mettant en place aussi une usine d'armement. Euh, au maroc euh, donc, euh, qui va euh, servir à armer le, le fln euh, qui va également euh, créer des faux papiers euh, pardon, euh, de la fausse monnaie euh, au danemark des faux francs donc on est vraiment dans cette, dans, cette, dans cette dimension là euh, aussi donc avec une action qui, qui se met en place dès ce moment-là et puis comme, comme vous le savez donc, euh, pablo a été après à l'indépendance un des, des conseillers de ben bella donc, ça a été, euh, voilà, au-delà même de la guerre d'indépendance, ça, ça a perduré. Donc, voilà, tout, tout ça, ça se retrouve également, ces divisions-là, euh, par rapport à, au, au courant anarchiste voilà, qui se met en place. D'accord. Euh, alors, une dernière question, Pierre Mansa, justement. Euh, on évoque toutes ces dimensions de, de la guerre d'Algérie, le travail d'historien, euh, les, euh, les, les zones d'ombre. Euh, comment vous interprétez, quel rôle, d'après vous, euh, peut jouer euh, à la fois l'histoire en tant que discipline et la mémoire en tant que tâche collective et, et même quasiment on peut dire de projet politique, au sein de la gauche, autour de, de la guerre d'Algérie, est-ce que c'est une question qui, qui anime encore les, les débats Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui intéresse, qui permet de dire des choses sur la société française aujourd'hui, par exemple ah ben C'est clair, je pense que les dernières années montrent quand même une, une montée, pas seulement sur la sur la guerre d'Algérie, mais une montée de la, de la, de la connaissance, de la compréhension de ce que de, de ce qu'est une puissance coloniale et le et ce que l'impact considérable que ça a eu sur des, des peuples entiers et sur le, 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 le peuple de France, je dirais dans, dans toutes ces dans toutes ces dimensions. Et je crois que les dernières périodes sont euh, euh, est vraiment intéressant avec une montée en puissance euh, des de la connaissance autour du 17 octobre autour de euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec Odin, euh, le, la, le rapport Stora, les, la commission Stora, qui semble-t-il est appelée à se, à se dynamiser un peu, donc il s'est passé vraiment quelque chose. Il me semble qu'il reste quand même quelques éléments un peu tabous. Je pense aux, aux Mitterrandolâtres, euh, euh, qui sont quand même encore un certain nombre et qui, euh, qui se refusent à, à, à voir ce, cet aspect-là. Je pense que c'est évidemment. Euh, c'est essentiel pour, pour une gauche dont, vraiment, enfin bon, ce pas, pas le lieu de débat, mais c'est évidemment essentiel. On regarde ce qu'on dit, euh, 10 millions de gens qui, en France, ont un lien direct avec, euh, avec l'Algérie, la, la guerre d'Algérie, c'est évidemment ce sujet-là. Évidemment, pour tout mouvement qui se revendique d'une euh, volonté de transformation, euh, c'est évidemment euh, quelque chose qu'il faut euh, continuer à, à travailler, à approfondir. Si vous permettez, je dirais bien un mot de ce qu'on vient de faire. Euh, c'est tout chaud donc l'association Josette et Maurice Audin sur ma proposition a organisé une délégation en Algérie euh, à la fois autour du, du prix de mathématiques Audin c'est un prix que nous avons créé en 2004 à initiative du mathématicien Gérard Tronel qui est décerné un mathématicien exerçant en Algérie un mathématicien exercé en France après euh, libre à eux de se d'échanger de, de travailler ensemble c'est la reprise de ce que le comité ODIN des années 57-58 avait créé, un prix mathématique ODIN. Et, et donc, on a fait cette tournée en Algérie, Alger, euh, Oran, Constantine, pour remettre le, le lauréat 2022, le prix au lauréat 2022, pour rencontrer les anciens lauréats, puisque depuis 2004, ça en fait un certain nombre. Et c'est, euh, semble-t-il, nous sommes la seule association militante. Il y a, il y a des coopérations, évidemment, entre universitaires mais nous sommes la seule association militante qui travaille sur ce terrain-là. C'est vraiment intéressant parce que les mathématiciens, notamment à partir de l'affaire Odin, euh, sont une, une corporation, je pense qu'on si peut dire ça, qui s'implique beaucoup dans la défense des droits, pas seulement des mathématiciens, mais des mathématiciens qui, dans le monde, sont euh, poursuivis, emprisonnés, euh, euh, etc. Euh. Donc, c'était le but. Et puis, il y avait un deuxième, euh, deuxième élément. Euh, et je pense que là, on a remporté quand même un petit succès c'est de mettre en évidence le rôle euh, des Algériens d'origine européenne dans la lutte de libération nationale. Donc, il y a eu un progrès très important avec euh, l'inauguration d'un buste Maurice Audin sur la place Audin à Alger en présence des, des autorités, bien sûr, c'est eux qui ont même organisé, les autorités civiles et militaires, avec Pierre Audin, euh, le fils de Maurice Audin, qui a enfin obtenu son passeport algérien, voilà, qui a obtenu son passeport algérien, donc c'était pas la première visite en Algérie, mais la première visite en Algérie en tant qu'Algérien, et donc euh, en même temps, on a euh, essayé de mettre en évidence, nous sommes allés sur la tombe de Raymond de Péchard, Abdou Péchard était une militante du Parti communiste algérien qui était partie au Maquis et qui a été exécutée par des soldats français alors qu'elle a été désarmée parce qu'elle était infirmière en fait au Maquis. Elle a été exécutée d'une balle dans la nuque, je crois, par des militaires français. Elle est enterrée à Constantine. Et euh, je détaille ça parce que c'est très intéressant. Le cimetière chrétien de Constantine était à abandon depuis 20 ans. Il est complètement envahi de la végétation. Plus comme à Constantine, il y a des mouvements de terrain, etc. Les tombes sont fracassées, il y a des, des tombes avec les, les cercueils et les ossements qui sont, qui sont euh, Et grâce euh, au, au, au directeur du Croissant Rouge de Constantine et au maire de Constantine, euh, tout l'accès à la tombe de Raymond de Péchard a été, euh, a été euh, organisé, la, la chaussée a été refaite, la, la voie d'accès euh, à la tombe a été refaite, et c'est sans doute la première fois depuis l'indépendance. Nous avons pu organiser un recueillement sur la tombe de, de Raymond de Péchard. Euh, nous y avons chanté international, puisque c'était communiste. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a vu au moment de notre départ que la presse algérienne traitait le sujet en disant euh, ça doit être, je ne sais plus si c'est Louatane le de l'expression, qui titre euh, euh, Odin, Péchard, yves euh, Maillot. Euh, donc une forme de reconnaissance qui n'est pas. A pas toujours été le cas, je pense, de la part des, des autorités algériennes, de la place de ces. Euh, Puisqu'il y en a même beaucoup qui continuent d'utiliser le terme ces amis de l'Algérie, ou ces Français amis de l'Algérie, alors que Maurice Audin, euh, considérait comme Joseph Audin d'ailleurs, se considérait comme algérien, et à ce titre-là, au sein du Parti communiste algérien, luttait pour l'indépendance. Euh, et, et donc j'espère je, que ça aura un retentissement en France aussi pour notre. Euh, pour l'action que vous évoquez au sein de la gauche. Nous sommes le 11 juin, donc après l'enregistrement de l'émission, nous organisons tous les 11 juin une cérémonie sur le cénotaphe Maurice Audin au cimetière parisien du Père-Lachaise. Je dois dire que c'est certainement le seul monument en France dédié à un combattant d'indépendance de, de l'Algérie. Je ne crois pas qu'il y en ait. Beaucoup d'autres combattants, au sens militant, puisque Maurice Audin n'était pas, pas impliqué dans les, les réseaux militaires, dans l'action militaire, il était au sein du Parti communiste, chargé d'un certain nombre de tâches pour les dirigeants du Parti communiste. Favorable bien sûr à l'indépendance. Alors, on a évoqué le, le rôle du Parti communiste euh, français, euh, en présence de Pierre Mansat, euh, président de l'association Josette et Maurice Audin. Hein, Maurice Audin, avec aussi par, par exemple Henri Alleg, hein, était membre du PCA, le Parti communiste algérien, hein, qui d'ailleurs sera interdit dès septembre 63, je crois. Euh, quel a été le rôle du, du PCA justement dans, dans cette lutte pour l'indépendance euh, algérienne de, de, depuis 1945 en particulier, en fait, euh, de 1945 à 1954, le, le, le PCA s'est de plus en plus rapproché, en fait, à une volonté de se rapprocher des nationalistes indépendantistes. Et donc, euh, du coup, euh, euh, ils ne sont pas surpris, on va dire, non plus par le, le, le 1er novembre 1954. Euh, et ça conduit euh, en, au fur et à mesure à ce que euh, le Parti communiste, finalement, euh, euh, soit favorable, en fait, hein, aux positions indépendantistes euh, aussi des combattants. Avec une préparation de certains d'entre eux en fait à la clandestinité, clandestinité qui aboutit au bout du compte avec la création pardon, des combattants de la liberté, les CDL, et qui conduit en fait euh, qui sont déjà en place avant l'interdiction du parti communiste algérien, donc en, le 12 septembre 1955. Et donc là, là en fait le, le, le PCA bascule complètement en faveur de, de l'indépendance et dans la lutte clandestine. Donc ça c'est une, une première remarque. La deuxième, enfin, deuxième remarque quand même importante aussi, hein, c'est que le, bah, les communistes algériens sont divisés en fait. Hein. Donc euh, beaucoup sont des Européens, ça reste un parti largement européen quand même, même s'il si, y a aussi euh, des Algériens, de plus en plus d'Algériens, avec euh, une, une question aussi, c'est la question de la religion en fait, hein, euh, qui, qui divise un petit peu et qui fait que, euh, il y, a, il y a peu d'Algériens en fait qui rentrent aussi dans, 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 dans le PCA, mais bon, il y en a, vous, vous en avez cité tout à l'heure, et donc ça c'est resté. Et donc il y avait aussi de plus en plus des, des dirigeants même hein, en tant que tels aussi du PCA qui étaient algériens. Mais beaucoup d'Européens en fait euh, ont quitté le PCA justement aussi avec le déclenchement de l'insurrection et les positions du PCA favorables à l'indépendance. Donc, on a retrouvé d'ailleurs notamment, par exemple, Oran. Ce sont des, des grandes villes qui sont aussi très populaires. Et donc, dans, où le PCA, en fait, avait une, une influence euh, importante. Et, et, et au bout du compte, euh, ces personnes-là, en fait, quittent le PCA, se retrouvent en quelque sorte aussi en déshérence. Et euh, malheureusement, on va retrouver beaucoup favorables à, à l'Algérie française et à l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie. Donc, euh, ce qui fait que euh, même certains, euh, certains pieds noirs, par exemple... Euh, je me souviens de, de l'une d'entre elles qui chantait Léo Ferré, par exemple, et qui était favorable finalement à l'Algérie française et à l'OAS. Donc, euh, vous voyez, c'est une sorte de mélange un peu, un peu particulier, à la rigueur mélange qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui dans les mémoires, d'ailleurs, euh, avec des personnes qui sont euh, front national euh, et qui ont été communistes à un moment donné, des choses comme ça. Donc, euh, ces mélanges-là, on les retrouve déjà à cette période-là. Il euh, y a un, un noyau, en fait, qui va être euh, vraiment... Euh, euh, aussi en tant que tel, qui va perdurer, qui va être favorable à l'indépendance et qui va aller jusqu'au bout, qui va se retrouver dans la clandestinité. Henri Allègre, Maurice Audin, Fernand Yveton, euh, Raymond Péchard, ce sont des figures en fait, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont majeures de ce point de vue-là. Hein, et, et encore, il y en aurait d'autres, je, 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 passe, je passe beaucoup de noms, euh, mais qui, sont, euh, qui, qui jouent un rôle, qui ont qui ont été jusqu'à être tués, Raymond de Péchard, Maurice Audin, par exemple, Fernand Riveton, évidemment exécuté, torturé, comme Henri Allègre. Donc, ce sont des, des, des parcours qui sont, enfin voilà, qui qui, euh, qui ont été loin, qui sont qui sont des parcours d'engagement extrêmement importants en faveur de l'indépendance algérienne. Et euh, euh, ils ont milité en fait en faveur de, de tout cela. Ils ont subi des années de prison pour pour beaucoup d'entre eux. Euh, au bout du compte, euh, alors il y a eu la, la période de la création aussi. Il faut que je revienne là-dessus. Après, la, les, les combattants de libération, en fait, il y a eu la volonté de mettre en place des maquis aussi. Et donc, il y a eu en particulier le, le maquis rouge dans le Dara, euh, ou euh, qui, qui s'est mis près d'Orléansville à, à l'époque, euh, Schleff aujourd'hui, euh, qui, euh, qui s'est mis en place. Et euh, parce que, en fait, donc. Euh, avec des discussions qui se sont euh, déroulées sur, euh, évidemment, où mettre, où créer un maquis. Euh, et donc, il fallait que le FLN soit peu important, euh, où il n'y ait pas de maquis à cet endroit-là, et c'est pour ça que ça s'est orienté vers là. Au bout du compte, le maquis rouge a existé, avec Maurice Laban, avec Henri Maillot en particulier, euh, et, euh, et au bout du compte, finalement, euh, bah, il va être complètement démantelé, euh, donc... Euh, euh, démantelé avec euh, donc une, une action de l'armée française euh, qui va conduire en fait, euh, bah, à ce que Henri Maillot et Maurice Laban en particulier euh, soient tués au cours de cette action euh, voilà pour, pour, pour cela et euh, donc après cela en fait euh, mais Henri Maillot euh, c'est lui aussi qui a récupéré un camion d'armes euh, qui a permis à la fois d'armer euh, le maquis rouge mais aussi d'armer la L.N. Et comme ça, en fait, ça faisait aussi, euh, ça permettait de négocier, on va dire, avec le FLN et la LN, justement, entre les, les, les deux parties un petit peu euh, indépendantistes. Et donc, y a, on pourrait dire, avec aussi, il y aurait une troisième partie indépendantiste, le MNA, euh, mais euh, au bout du compte, le FLN euh, voulait être prééminent aussi, et euh, n'acceptait pas, en fait, euh, cette présence euh, du PCA, en, euh, notamment, euh, enfin, en particulier, le MNA évidemment aussi, mais, euh, mais le, le, le PCA aussi. Et euh, après le, démantel, le, le démantèlement du, euh, du, du maquis rouge, en fait, euh, le FLN a accepté d'intégrer à titre nominatif individuel, sans euh, considérer, enfin sans le bloc du PCA, tous les militants communistes qui, 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 qui voulaient bien en fait, participer euh, à, à la LN ou au FLN. Ce qui va être le cas euh, à Abdelkader Guerrouj, par exemple aussi, hein, euh, Jacqueline Guerrouj, qui, euh, voilà, qui ont été arrêtés, torturés aussi, emprisonnés. Donc, euh, par exemple, parmi, parmi les militants à l'indépendance, euh, le PCA va tenter en fait de, de revenir effectivement euh, en Algérie, de ressortir euh, Algérie républicain, euh, le, le journal d'Henri Allais qui avait été interdit euh, sous, la période, sous la guerre d'Algérie, hein, euh, et, euh, et au bout du compte finalement ça va être interdit à nouveau. Donc euh, malheureusement on va retomber sous le coup du parti unique et donc le toute forme en fait de, de critique et de euh, aussi de, de pluralisme politique de ce point de vue-là hein, va, va être empêché en quelque sorte donc euh, malheureusement ça ça va pas pas aboutir il va y avoir après euh, des euh, comment dire un parti clandestin également qui va perdurer le PAX, le Pax des, euh, et puis euh, on va dire des, des tendances ouais. voilà au sein du FLN, hein, plutôt communiste ouais. et on va dire qui vont qui vont perdurer mais euh, ça voilà pas de manière euh, planée entière, si on veut. Merci, Tramor-Kemeneur, euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Pierre, euh, Pierre Mansa. Nous vous saluons. Au revoir à toutes et à tous et à une prochaine émission de Parole aux historiens.